Ce matin, tout le monde, comment ça va? Parce que tout le monde, est sont d'accord avec moi, ce n'est pas une tâche, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une responsabilité de venir à l'Église. C'est un privilège. Parce que nous sommes l'Église. Donc, si vous nous visitez ce matin pour la première fois, on est très heureux de vous accueillir. Euh, ce matin, je suis content d'être là. Ça fait déjà, quoi, un bon deux mois et demi que je suis venu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mme je suis euh, le pasteur principal de l'Église de Portail. L'Église de Portail, c'est une église. Plusieurs sites, donc un à Laval, un à Terbonne, c'est vous, et un nouveau à partir de Pâques à Saint-Eustache. Oui, donc encore une fois, merci. Oui, on peut applaudir. Euh et euh, on prépare, on croit vraiment. La dernière année était une année de transition. Ça a été euh, une de nos meilleures meilleure année, au-delà des, des, des chiffres, juste la bénédiction spirituelle et on anticipe de belles choses pour la prochaine année, on anticipe de belles choses pour le portail, de belles choses pour bonne euh, on prie pour 150 personnes, on prie pour que plus de gens viennent à Jésus, euh, il y a toujours des baptêmes, votre ratio de baptême est plus élevé qu'à Laval, il y a vraiment l'œuvre, l'œuvre de Jésus se fait ici, c'est d'accord, amen. Maintenant, je suis heureux de m'accueillir dans cette, m'accueillir, m'insérer. Ça fait un peu narcissique de m'accueillir moi-même, de m'insérer dans cette série qui se nomme Déclencheurs et euh, j'ai hérité du thème le plus plat. Vous savez, il y a plusieurs déclencheurs de foi, on l'a vu, et euh, vous avez eu des super prédicateurs. Et euh, une des choses qui déclenche ta foi, qui nourrit ta foi, c'est l'approfondissement c'est-à-dire la profondeur spirituelle. Il y, a, il y a plein de choses que j'aurais pu parler ce matin. Et j'ai un vraiment, non seulement j'ai un thème plat, mais j'ai un sujet encore plus plat qui peut changer ta vie. Dans la Bible, quand on regarde le nombre de versets, Jésus a parlé de beaucoup de choses. Et euh, vous savez, sur la prière, il y a 500 versets dans la Bible. Sur la foi, il y a 500 versets également. Toute, toute la Bible parle de foi, parle de confiance en Dieu, mais 500 versets. Maintenant, mon sujet ce matin, il y a dans la Bible 2000 versets là-dessus. 50 des paraboles de Jésus parlent de ça. Et ce matin, on va parler des finances, on va parler d'argent. Dites pas Amen, dites Aïe, aïe. Et, et pourquoi c'est pertinent? Et je vais le faire de manière vraiment différente. Ceux qui, qui me connaissent un peu, vous savez, euh, j'aime apporter ça d'un angle différent. Et, et au portail, on a aussi une autre manière de voir l'argent que souvent ce que tu peux entendre. Euh, et c'est important parce que les chrétiens de toutes les générations ont eu un rapport trouble avec l'argent. On le voit dans l'Ancien Testament et dans le Malachie, on va en parler ce matin, à l'époque de Jésus, Jésus va dire, c'est plus facile à un chameau d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à quelqu'un qui a de l'argent. Le problème, ce n'est pas d'avoir de l'argent, c'est notre rapport à l'argent, c'est l'attachement dans notre cœur par rapport à l'argent. Vous savez, il y a des riches qui glorifient Dieu, puis il y a des pauvres qui ont peu, puis que finalement, le peu qu'ils ont deviennent leur Dieu. Euh, on voit la première crise de l'histoire de l'Église, la première crise, c'est Ananias et Sapphira. Paul va dire, va mettre en garde les croyants en leur disant, Faites attention. À un moment donné, si votre rapport à l'argent n'est pas, si pas sain, si Dieu n'est pas Seigneur de vos finances, ça peut créer des pièges et même plusieurs vont s'éloigner de la foi. Parce que l'argent peut être un déclencheur de maux de tête. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Quand nos finances sont équilibrées, quand on a un budget à la gloire de Dieu, quand on est vraiment équilibré dans tout ce qu'on fait et que l'argent, finalement, n'est pas notre Dieu, mais est un serviteur, ça libère beaucoup de choses dans nos vies. Et j'aimerais parler. Si vous avez une Bible, tournez avec moi dans le livre du prophète Malachi. Et quand je disais que tous les chrétiens de l'histoire de, de l'humanité ont de la difficulté avec, ils ont un rapport trouble avec l'argent, on l'a vu au Moyen-Âge avec, d'un côté, le Vatican et on faisait vœu de pauvreté. Dieu ne t'appelle pas à la prospérité, mais il ne t'appelle pas à la pauvreté non plus. Euh, on l'a vu, et même avec le, le protestantisme évangélique ou avec la théologie de la prospérité, où on va dire, par exemple, on va croire que, on va dire. La pauvreté et la maladie est une conséquence du péché. Donc, si tu es un chrétien et tu as encore de la maladie dans ta vie et de la pauvreté, c'est que tu manques de foi. Ça, on, on appelle cette théologie-là d'une grande n'importe quoi. La Bible n'enseigne pas ça. Donc, qu'est-ce que la Bible enseigne? Des gens, moi je crois que c'est possible que tu sois un chrétien, que tu sois plein de foi et que tu sois malade. Ça existe. Quels sont ceux qui croient que Dieu guérit? Mais quels sont ceux qui croient que Dieu guérit pas tout le monde? Donc, il y a comme une réalité, et tes finances, quels sont ceux qui croient que ton compte de banque n'est pas un indice de ta spiritualité et de ta sainteté? Amen. On connaît tous du genre, des gens qui ont du cash et qui sont tout croche. Et moi, je connais des hommes et des femmes de foi qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Donc, il faut aller ailleurs. Et c'est pourquoi Malachi va nous donner, en fait, une théologie des finances personnelles. Une théologie, c'est quoi? C'est un message de Dieu, c'est-à-dire l'enseignement de Dieu. Et on peut dire dans Malachie, on a la théologie biblique, donc le message de Dieu sur nos finances personnelles. Donc, c'est très concret. Il y a des gens qui disent, ah non, mais ce matin, l'argent, ça, 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 ça ne s'adresse pas à moi. OK, est-ce que quelqu'un ici n'a pas une carte de crédit, une carte de débit dans ses poches? Le message est pour toi. Excellent. Malachie 3, verset 7 à 12. Et euh, j'ai prêché l'ensemble du livre de Malachie à Laval. Donc, juste pour le dire, parce qu'il y a des pasteurs, c'est le seul texte de Malachie qu'ils connaissent. Et je vais vous dire pourquoi dans quelques instants et je vais dire la chose la plus franche que j'ai jamais dite en prêchant. Là, j'ai votre attention. Voici le texte, Malachie 7, Malachie 3, verset 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées. Vous dites, en quoi devons-nous revenir? Donc, le peuple dit, c'est quoi le problème? Un être humain peut-il... Revenez à moi, donc je reprends. Euh, je me suis perdu. En quoi devons-nous revenir? Oui. Un être humain, verset 8. Peut-il voler Dieu? Oui, vous me volez vous dites, en quoi devons-nous voler? C'est sur les dîmes et les offrandes. Et je veux juste te dire ce matin, ce n'est pas un message sur les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me volez. Vous, la nation toute entière. Apportez toute la dîme à la maison du trésor qu'il y a de quoi manger dans ma maison. Mettez-moi ici à l'épreuve. C'est rare et c'est la première fois, la seule fois dans la Bible où Dieu demande à son peuple de le mettre à l'épreuve par rapport à tes finances personnelles. Mettez-moi aussi à l'épreuve, je vous prie, dit le Seigneur des armées. J'ouvrirai sans faute pour vous les fenêtres du ciel, je déverserai pour vous la bénédiction de l'eau de toute mesure. Pour vous, je rabourrerai celui qui dévore et ne vous détruira pas le fruit de la terre et de la vigne ne sera pas stérile. Dans vos campagnes, dit le Seigneur des armées, toutes les nations vous déclareront heureux car vous serez un pays de délices, dit le Seigneur des armées. OK, la première chose... Moi, je suis mal à l'aise de prêcher ce texte-là parce que j'ai entendu tellement de messages de pasteurs sur ce texte-là. Et la première chose que je veux dire, il faut passer de la manipulation à la formulation d'une théologie sur les finances personnelles. Le but du texte de Malachi n'est pas de te manipuler. Dieu n'est pas un manipula manipulateur. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et voici, je vais te dire quelque chose que tu n'entends pas souvent dans les églises. Être un pasteur nécessite une charge pastorale sur le fait d'être pasteur. Hein, Max? Ouais. Une charge spirituelle, relationnelle, mais une charge financière. Pour que l'œuvre de Jésus avance, ben, il faut payer 40 000 au cinéma pour pouvoir se réunir le dimanche matin. C'est plate, mais c'est comme ça. Pour que Pasteur Maxime arrive, soit capable de, de prendre soin de l'Église puis enseigner l'Église, il faut lui verser un salaire. C'est plate, mais c'est comme ça. Il faut te payer. Donc, et plusieurs gens, souvent dans les pasteurs, on commence, on fait beaucoup de choses bénévolement. Et il y a une réalité, le pasteur, il y a un poids. Il faut que tes finances aillent bien parce que si les finances de l'Église ne vont pas bien, automatiquement, ça va impacter le spirituel dans ton Église. Donc, les pasteurs, lorsque le pasteur arrive, puis regarde son budget, puis voit un texte comme Malachi, il se dit Alléluia. Parce que là, tu as un texte où tu peux commencer à mettre de la pression sur tes gens qui donnent 10% de leur revenu. Et si tout le monde donnait 10% de leurs revenus combien tes problèmes sont réglés? Donc, c'est pourquoi il y plusieurs pasteurs qui prêchent la bénédiction des finances du Dieu, vont ouvrir les écluses des cieux, ils prêchent avec conviction et ferveur, mais dans leur cœur, il y a un mot qui revient, c'est « dim, 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 dim ». Et c'est là le danger, c'est qu'à un moment donné, la prédication n'est pas totalement désintéressée. Et être pasteur, quand je parle des finances, ce n'est pas désintéressé. Pourquoi je n'ai pas le goût de mettre des gens à la porte? Je n'ai pas le goût de fermer un site. Mais je vais vous dire quelque chose ce matin. Je veux prêcher sur les finances de manière désintéressée. Je ne vais pas prêcher selon mon intérêt, mais ton intérêt. Veux-tu te dire pourquoi? Parce que moi, là, j'ai un bon salaire fixe. Peu importe les offrandes, je n'aurai pas plus d'argent. Le portail, ce n'est pas une église où les pasteurs sont payés en fonction des offrandes. J'ai un bon salaire fixe. Ça veut dire que s'il y a une mauvaise offrande, je suis payé quand même. Ça veut dire aussi que je n'ai pas de bonus de performance. Quand des gens sont baptisés, on n'a pas un boni 1000 par personne qui se font baptiser. C'est pas comme ça que ça marche l'Église. Ce n'est pas une business. Tu d'accord? Dis Amen. Donc, au portail, nous avons des salaires fixes et les pasteurs ne gèrent pas l'argent, ne touchent pas à l'argent. Donc, moi, ce matin, je n'ai pas besoin de mettre de la pression. Pourquoi? parce que je n'ai pas cette pression-là. En ayant dit que oui, j'ai déjà été un pasteur d'une église, une petite église, et à un moment donné, il m'arrivait des dimanches, où le, 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 le comptable venait me voir et me disait, « Pasteur Gaetan, on ne peut pas te payer cette semaine parce qu'on n'a pas assez d'argent, il faut payer le loyer. » Je l'ai vécu, et même quand je le vivais, même quand ça se pouvait que je ne sois pas en mesure de faire l'épicerie pour nourrir ma famille, je n'ai jamais mis de pression sur les dîmes et les offrandes. Savez-vous pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui versez mon salaire, c'est Dieu. Je dépends de Dieu, c'est Dieu qui prend soin de ma famille. Donc, il y a quelque chose ici. Le texte ne parle pas tellement. Ce n'est pas un texte, un beau texte pour te manipuler. Il y a une vérité vraiment puissante pour te libérer là-dedans. Et c'est pourquoi je parle, il faut passer de, encore une fois, de la manipulation à une formulation. Tu as besoin de comprendre, il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent plein de choses sur Dieu, mais qui ne connaissent pas le plan de Dieu pour leurs finances. Et Malachi nous résume. Et voyez ce qu'il va dire. Revenez à moi. La Bible nous enseigne, parle beaucoup d'argent, savez-vous pourquoi? Parce que l'argent est un Dieu qui rivalise avec Jésus dans ta vie. Là, des gens qui disent Oh, pas moi, pasteur Guétin à Laval, Ils sont comme ça, mais pas terbonne. On n'aime pas, puis pa là, il y a des gens présentement, tu es inconfortable. Tu n'aimes pas quand le pasteur parle d'argent. On n'aime pas parler d'argent. Sais-tu pourquoi on n'aime pas parler d'argent? Parce que l'argent parle de toi. La Bible dit là où est ton trésor, là sera ton cœur. Puis présentement, il y a des gens qui sont inconfortables. Pourquoi? Parce que ton Dieu est en train de se faire menacer. Pourquoi l'argent est un Dieu? Parce que lorsqu'on met notre foi dans l'argent, l'argent nous donne des choses que seulement Jésus nous offre. L'argent te donne de la valeur. Avez-vous remarqué, je t'ai souvent dit, tu rencontres quelqu'un, Hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, oh, moi je suis garagiste. Toi, tu fais quoi? Moi, je suis chirurgien. Lequel a le plus de valeur? Tout est spirituel. Mais dans la vraie vie, là, on va éviter qui à tout le monde en parle? Ou dans le même souper, tu dis bon, le même repas, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis éducatrice en service de garde. Puis toi, madame, tu fais quoi? Moi, je brasse des millions. Maintenant, on va accorder plus de valeur à celle qui brasse des millions, mais dans l'échelle de Dieu, est-ce que ça se pourrait que celle qui brasse de la soupe pour nourrir des, des enfants ait autant de valeur que celle qui brasse des millions? Donc on accorde souvent notre compte de banque nous donne une certaine valeur notre statut. L'argent te donne non seulement ça te donne une valeur ça te donne du pouvoir. Par exemple, les Québécois qui débarquent à Cuba. Moi il y a des choses que j'aime pas quand j'aime à la Cuba, j'étais à deux trois fois, à deux trois reprises, mais une des choses que jaillit, c'est les Québécois qui arrivent qui pensent que parce qu'ils ont du cash, ils peuvent tout acheter à Cuba. Est-ce qu'on est, est, qu est d'accord que quand tu arrives à Cuba, même si tu es dans un tout inclus, puis tu as 500$ de budget pour des cossins, est-ce qu'on s'entend que tu as du pouvoir? Non? Moi je suis tanné de voir le gars de, qui fait 42 000 par année puis qui pense que c'est le, le king de Cayo Coco. Il se promène comme Ah hey, oh ouais, je donne un 10$, hey, moi je suis un king. Pourquoi? Parce que l'argent te donne un pouvoir. L'argent te donne une valeur, l'argent te donne, te donne de la sécurité. As-tu remarqué quand ta paie est déposée, tout à coup, la paix qui surpasse toute intelligence revient sur ton être? C'est normal. Plus qu'il y a de l'argent dans notre compte. Moi, là, quand mon compte augmente, là, ma paix augmente. je vous dirais que ma paix elle, augmente pas beaucoup. Ah oh, aussi! Mais l'argent a un pouvoir. C'est pour ça que Jésus en a beaucoup parlé. C'est pour ça que la Bible en parle beaucoup. C'est Lewis qui a dit. Ne mets pas ton bonheur, ne laisse pas ton bonheur dépendre de quelque chose que tu peux perdre. Là, tu dis OK, Pasteur Gaétan, c'est quoi l'application Merci de poser la question. L'application, c'est quoi C'est que tu dois te prêcher la bonne nouvelle. Tu dois continuellement te dire que ta valeur n'est pas dans ton argent, que ta sécurité, tu peux avoir un million en banque, mais tu peux mourir d'un accident demain matin. Tu peux perdre ta job, tu peux faire faillite. Mais ta valeur n'a pas diminué aux yeux de Jésus qui est mort pour toi. Amen. Et c'est pourquoi tu dois te le prêcher continuellement. Moi, je me prêche. Je vous le dis, moi, là, savez-vous pourquoi je vais dire que je suis un bon prédicateur, je ne suis pas un bon prédicateur le dimanche. Là. Ma meilleure prédication n'est pas le dimanche, c'est la semaine. Puis le meilleur public, c'est moi. Ce que je vous prêche, je me le prêche continuellement. Il me dit, ma valeur n'est pas là-dedans, ma sécurité n'est pas là-dedans. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, « Philippiens. Philippiens, l'apôtre Paul est en prison, c'est un nobody. » Puis il va dire, tout ce que j'étais, il va dire, mes diplômes, mes compétences, tout ce que j'étais, j'ai regardé ça comme de la boue afin de gagner Christ. Il réalisait que sa valeur était en Jésus. Sa valeur n'était pas dans ce qu'il faisait pour Jésus, mais dans ce que Jésus a fait pour lui. L'apôtre Paul va dire aussi, OK, les chrétiens, on est bon pour utiliser des versets hors contexte. Est-ce correct? C'est correct. Mais c'est hors contexte pareil. Est-ce que vous avez déjà entendu le verset « Je puis tout par celui qui me fortifie » Hallelujah. Moi, j'aime ce verset-là. Vous savez, il y a des, des trucs de prédicateurs. Là. Il y a des versets, quand tu, tu, tu drops le verset, là, tu vas avoir Amen ». L'Éternel a des projets de paix non de malheur pour toi. Hallelujah. la, la paix qui se passe, est intelligent. Il y a des versets qu'on aime. Maintenant, connaissez-vous connaissez le contexte de « Je puis tout par celui qui me fortifie » Paul va dire le verset précédent, puis vous regarderez dans Philippiens. Il va dire, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul va dire que son véritable pouvoir n'est pas dans son compte de banque, c'est dans le Saint-Esprit qui agit en lui. Donc, l'apôtre Paul lui-même se prêchait sa sécurité. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins en Jésus. Donc, l'argent est un Dieu qui rivalise avec Jésus. Et tu as besoin de l'attaquer. Et c'est ce que Malachie nous enseigne. Et voici, verset 8, il va dire le peuple va dire, OK, mais est-ce qu'un être humain peut voler Dieu Voici la troisième grande vérité que tu dois apprendre sur les finances personnelles. Ton argent appartient à Dieu. Tu dis amènes parce que tu n'en as pas beaucoup, mais tous ceux qui ont beaucoup d'argent, ils disent pas Amen. tas tu beaucoup d'argent Amen, Amen. Ton argent appartient à Dieu. C'est pour ça qu'on va dire est-ce que c'est possible de voler Dieu Psaume 24 dit À l'éternel, la terre et tout ce qu'il a rempli. Agé va dire À moi, l'or et l'argent. C'est pour ça que Jésus nous enseignait à prier donne-nous notre pain quotidien. Pourquoi Parce que toutes les ressources appartiennent à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi est-ce qu'on est, qu est... Puis là? Il y a quelqu'un qui peut se dire non, mais moi, pasteur Guétan, j'ai une job, j'ai monté une compagnie. Moi, j'ai des amis qui ont monté des compagnies des millions. Puis quand, hey, c'est moi qui le fais. Oui, mais c'est Dieu qui t'a donné la santé, et la capacité de le faire. C'est ça la grâce, de réaliser que tu n'es pas, pas la plus belle invention depuis l'invention du, du bouton à quatre trous là. Et le problème, nous disons premièrement, oui, l'argent est à Dieu. Hallelujah. Ok, on passe à l'autre étape parce que ça c'est facile. L'argent est à Dieu. Hou, Hallelujah. Ça veut dire que je ne suis pas propriétaire de mon argent, mais je suis intendant de l'argent de Dieu. C'est comme l'histoire de cette petite fille, son père, qui lui donne deux sous pour aller à Clic, puis lui dit Voici, un dollar pour toi, tu pourras t'acheter ce que tu veux après. Puis voici un sou que tu vas donner à Jésus pendant l'offrande. Clic pendant le ministère des enfants. La petite fille prend ses deux sous, elle arrive à clic, puis là, à un moment donné, ils prennent la petite offrande, puis elle cherche ses sous, puis elle trouve juste un sou. Elle a perdu l'autre. Et là, en panique, elle dit Oh, Jésus, je m'excuse, j'ai perdu ton sou. On y évite. Avez-vous remarqué que lorsqu'on a de l'argent, c'est notre argent, mais lorsqu'on manque d'argent, on dit Seigneur, à toi appartient l'or et l'argent pour voir. Maintenant, la vraie question, voici l'application. La vraie question que tu te poses. Et là, je parle à des chrétiens. Là. Je sais qu'il y a des non-chrétiens qui sont ici, mais si tu veux être vraiment, tu veux un déclencheur de quelque chose dans ta vie, la vraie question à se poser, c'est pas. Qu'est-ce que je veux faire avec mon argent? Mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec son argent? Et là, je sens que certains viennent de décrocher. Merci. Merci d'avoir assisté à l'église de Portail. Merci d'être patient pendant la fin de ce message. J'étais heureux de vous accueillir. Et ça nous arrive à autre chose. Il va dire En quoi t'avons-nous volé? Et là, il parle des dîmes et des offrandes. Si tu veux être vraiment un disciple de Jésus, L'aspect financier est indéniable. Donc, maîtrise les 4D de l'intendant de Dieu. Ce n'est pas, pas compliqué, là. Ton argent va à quatre endroits. Ce que tu dépenses, ce que tu dois, ce que tu donnes et ce que tu déposes. OK? Tu peux lire tous les livres. Moi, je lis des livres de finances personnelles parce que je vais être un meilleur intendant dans ma vie. Et tout ce qui sort de mon compte, c'est ces quatre catégories-là. Premièrement, ce que tu dépenses. Voici, je vais te donner un truc. Puis il y, y a un conseiller financier qui est venu me voir après la réunion quand j'ai pressé ce message-là à Laval et qui me dit Pasteur Gaétan, moi, là, j'ai fait des études à l'université en finance, puis c'est le meilleur conseil que j'ai entendu. Hmm. Là, j'ai ton attention. Hein? Là, tu dis OK, OK, donne-moi le truc, Pasteur Gaétan. Donne-moi le truc. Non, 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 il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de truc. Voici la clé. La première clé pour la libération financière. Préparez-vous. Je vous donne ça gratuitement. Dépense moins que ce que tu gagnes. Dire, wow, 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 wow. Non, non, parce que la majorité des gens ils disent Seigneur, augmente mes revenus, augmente mes revenus, augmente mes revenus. Dieu te donne une augmentation sur ta paie, puis tu la dépenses plus, puis tu l'autres ta carte de crédit. Puis finalement, tu ne t'en sors pas. OK? Ne demande pas à Dieu de remplir ta piscine si elle est trouée. Il y a trop de chrétiens qui disent Seigneur. Finance mon style de vie matérialiste. Dieu ne fera pas ça. Si tu es un mauvais intendant, ce n'est pas vrai que Dieu va te donner plus de ressources pour que tu les gaspilles dans des dettes et dans plus de choses futiles. Ça n'arrivera pas. Désolé. Donc, D, un bon intendant, travaille fort pour dépenser moins que ce que tu gagnes. Deuxièmement, ce que tu dois. Je considère, et je ne suis pas un spécialiste, je suis juste un pasteur qui, qui essaie d'appliquer la Bible à vos vies comme je le fais à ma vie, je considère qu'il y a de bonnes dettes et de mauvaises dettes. Une bonne dette, c'est quoi? On peut dire que c'est une voiture et une maison abordables. Quel est le mot-clé? Abordables. Vous savez, moi, ma maison, je l'ai payée 145 000. Je roule dans une voiture qui vaut 4 000 Puis quand elle va briser, je ne serai pas mal d'en de acheter une plus belle. Puis, non. Mais je m'assure que ça rentre dans mon budget. Le problème, c'est que trop de gens qui ont des maisons au-delà de leurs moyens, des voitures au-delà de leurs moyens. Tu flashes devant tes amis, mais dans l'intimité, tu es complètement endetté. Tu as l'air d'un king, mais en fait, tu es un esclave. Donc, c'est important ce que tu dois. Il y a de mauvaises dettes. Et, et je vais dire autre chose, dans les bonnes dettes, et là, je sais que je vous l'ai dit, c'était un message plat, les taxes et les impôts. Ça, c'est des bonnes dettes. Un hey, pasteur guettant. Au Québec, on est tellement taxé, Aux États-Unis, là, tu vas là, puis tu payes pas de taxes. OK, vas-y, puis quand ta femme va coucher tu paieras 40 000. Hey, le Québec puis le Canada, c'est pas parfait, là. Mais Dieu, dans sa providence, nous a placés ici. Moi, je suis heureux de payer mes impôts puis mes taxes. Enfin, oui, j'aimerais qu'il m'en reste plus. Mais il y a plein de gens à la frontière qui aimeraient venir payer des taxes et des impôts ici. Nous, on est en Moldavie. En Moldavie, tu n'as pas beaucoup de taxes. Tu ne veux pas aller là. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de légitime là-dedans. Et je dirais donc, je parle des, des bonnes dettes, mais il y a des mauvaises dettes. Et là, je parle aux milléniaux. Les milléniaux, c'est quoi ça? C'est vous autres. <laughs> Tous ceux qui ont de l'air cool, là, qui... Sérieusement, les milléniaux, on peut dire quoi, 20-35 à peu près? 20-35 ans. Moi, là, je, je le vois puis, puis, comme un grand frère. Okay? Vous accaparez 25% de la population, mais vous avez 33% des dettes. Vous êtes en train de complètement hypothéquer votre avenir. Vous hypothéquez votre avenir celle de votre famille, celle de l'avancement du royaume de Jésus, vous, vous hypothéquez l'avenir. Donc, c'est important d'entendre l'enseignement de Dieu. Vous savez, si tu as 10 000 sur ta carte de crédit, il y a des gens qui disent, ben, c'est beaucoup. Non, non, non. Moi, je pense que la moitié des gens ici ont au moins 10 000 sur une carte de crédit. 10 000 sur une carte de crédit, si tu payes le montant minimum à chaque mois, c'est combien? 200 Est-ce que tu sais, que ça va te prendre combien de temps à payer ta petite carte de crédit de 10 000 tu vas financer ta belle TV et ton voyage à Punta Cana? 80 ans. Donc, il y a comme quelque chose, à un moment donné, qui ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? Nous avons tous des dettes. Il y a des moins bonnes dettes que d'autres. Attaque tes dettes. Donc, comment ça commence? Par dépense moins que ce que tu gagnes. Le petit peu que tu as, c'est-à-dire, il faut falloir que tu coupes et ça va faire mal. Mais oui, si tu vis comme tout le monde, tu vas être endetté comme tout le monde. Mais si tu fais ce que personne ne fait, tu vas vivre ce que personne ne vit. Ça, c'était bon, ça, c'est pas moi. C'est Ramsey qui a dit ça. Un chrétien qui est un économiste aussi. Donc, dans ton dépense que tu dois. Troisième étape, ce que tu donnes. Et là, là, il y a une grande controverse parce que le texte parle des dîmes. OK. On est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les croyants, par reconnaissance, donnaient 10 de leurs revenus pour l'entretien du temple Dieu se manifestait pour que l'œuvre de Dieu continue. On dit en même temps avec les offrandes, puis avec les pauvres, puis avec tout. Ces... On croit, les spécialistes nous disent que le croyant de l'Ancien Testament donnait 23 de son revenu, à peu près un quart de ce qu'il gagnait, il donnait. Non seulement à l'Église, il donnait en général. Wow, OK. La question, est-ce que le chrétien doit payer la dîme aujourd'hui? Voici la réponse après toutes mes années en théologie. Oui et non. Passons au prochain point. Voilà. Oui et non. OK, Pasteur Guetta, est-ce que tu peux être plus clair? Oui. OK. Premièrement, est-ce que le chrétien, ici on est dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, est-ce que le chrétien est tenu, est obligé, une obligation morale de payer le 10 Non. Pourquoi? Parce que on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, c'est-à-dire que la faveur de Dieu ne se gagne pas en respectant un standard. La Bible nous dit dans Jérémie 31, voici la nouvelle alliance que je ferai avec vous je mettrai la loi dans leur cœur, je l'écrirai en eux. Donc la loi, elle est à l'intérieur, c'est une motivation, c'est un élan de cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire Heureux ceux qui donnent en chialant. » Non. Heureux celui qui donne avec joie. Pourquoi? Parce que ça devient du cœur. Donc le chrétien ne donne pas sa dîme. 10 de ses revenus parce qu'il est obligé, parce qu'il y a une pression, parce qu'il se sent coupable, il y a comme un élan de cœur volontaire. Merci pour tous les amens et l'euphorie dans cette salle. Donc, ça, c'est le non. Donc, il y a du monde qui dit ah, hallelujah, je te l'avais dit, chérie. Voici le oui. Le problème, c'est que dans le Nouveau Testament, Jésus a démontré que le chrétien qui n'est plus sous la loi, ne faisait pas moins que la loi par le Saint-Esprit faisait dépasser la loi. Par exemple, Jésus va dire, vous avez entendu dire tu ne tueras point, c'est une bonne idée. Jésus dit ça, c'est pas assez, là, come on. Si tu te mets en colère contre quelqu'un, dans ton cœur, tu as commis un meurtre. C'est-à-dire, il y a comme une intention du cœur, même si ce n'est pas la même conséquence, ton cœur est aussi corrompu. Jésus monte là-bas. Jésus va dire, vous avez entendu dire tu ne commettras pas d'adultère, c'est une bonne chose. Mais ben oui. Moi, je vous dis quiconque Regarde une temple la convoiter, commet à du temps dans son cœur. Il lui dit, peut-être que tu n'as pas mis, tu n'as pas fait l'action, mais dans ton cœur, tu es dans le même univers. Et Jésus va continuellement rehausser la base. C'est pourquoi les chrétiens, dans les actes des apôtres, partageaient tout ce qu'ils avaient. Donc, voici mon point. Je crois qu'un chrétien n'est pas obligé de donner sa dîme, de donner 10% de ses revenus. Je crois qu'un chrétien qui aime Jésus, qui est motivé par le Saint-Esprit, est heureux d'au moins donner 10 de ce qu'il a pour l'avancement du royaume de Jésus, de manière très, très volontaire, un élan de cœur. Donc, voici comment je vois la dîme pour le chrétien de la Nouvelle Alliance. C'est un peu comme la petite roue de vélo quand tes enfants apprennent à faire du Bessic. Tu sais la petite roue, là? Je dis, ok, c'est quoi le rapport? Attends, je te le donne, là. La petite roue t'aide à progresser. La dîme est en fait un guide pour t'aider à développer la générosité dans ta vie. Quelqu'un, par exemple, qui dit, il y a des gens qui disent Mais moi, j'ai des défis financiers, je viens de donner ma vie à Jésus. Hey, 10 je ne suis pas là. C'est correct. Commence en faisant du tricycle. Commence en disant ben, hey, Moi, il y a tel pourcentage, puis je veux le consacrer à Jésus. Puis il y en a d'autres, il y a des critiques vous, vous êtes prospère, tu souffres, du dites moi, ça fait des années je donne 10 et moi pas avec le reste. Moi, je ne t'écœure pas avec le reste. Je vais juste dire que peut-être que le Saint-Esprit veut t'écoeurer, lui, avec le reste. Donc, il y a des critiques qui pensent que quand tu donnes ton 10 c'est comme. Ce n'est pas comme ça que ça marche. ce que vous êtes toujours avec moi. Et juste pour terminer là-dessus, une des règles, et ça, c'est des conseillers financiers qui les donnent, qui peut être intéressante. OK, c'est un target. Okay, ce n'est pas tout le monde qui est capable d'arriver là du jour au lendemain. Mais idéalement, tu devrais essayer de vivre avec 70 de ce que tu gagnes. Donc 70 pour le roulement. Puis évidemment, il y a des saisons dans la vie, les jeunes familles, tout ça, ce n'est pas toujours évident, mais l'idéal, 70 10 que tu prends de ce que tu gagnes pour payer tes dettes, attaquer tes dettes. 10 tu le donnes et 10 ce que tu déposes, tu le mets de côté. REER, fonds d'urgence pour l'avenir. Donc, quand on regarde le concept malachi, c'est un petit peu tout ça qui est sous-entendu. Le but de donner, c'est pas. Vous savez, moi, je suis tanné, j'ai entendu des télévangélistes qui disent la loi du centuple, donnez-nous 100 et Dieu va vous donner 1000$. dollars ça n'a pas d'allure. Envoie-moi donc 100 dollars, puis Dieu va t'envoyer 1000 dollars à toi. C'est comme on fait quelque chose de mécanique. Comme, puis on n'a pas compris la dimension que c'est organique, les finances, c'est quelque chose de spirituel. Dieu va agir dans ton cœur. Et c'est pourquoi je termine avec trois raisons pourquoi moi je donne, qui sont dans mon intérêt de donner. Personnellement, vous savez, les pasteurs, on n'est pas juste là pour dire aux gens, donner. On, on, on pratique. Quand je te dis de prier, je prie. Quand je te dis de lire ta Bible, je lis ma Bible. Quand je te dis fais des efforts dans ton mariage, je fais des efforts dans mon mariage. Les pasteurs, on doit vivre ce qu'on prêche. Et voici trois raisons pourquoi moi je donne, qui sont des raisons très spirituelles et pourquoi tu devrais donner aussi. Il dit, verset 9, vous êtes frappés par la malédiction, vous me volez, vous la nation toute entière. Et là, il y a un contexte dans cet testament, je n'entrerai pas là-dedans, mais voici la clé. Donner brise le pouvoir de l'argent dans ton cœur. Le pouvoir de l'argent est réel. L'apôtre Paul en parle. Vous irez lire 1 Timothée 6. Il y a quelque chose. Il y a des gens là, tu es piégé. Es ton, es, tes finances sont un chaos et ça entrave ta marche spirituelle. Tu perds ta paix, tu perds ta joie. Tu n'as aucune capacité d'être généreux. Tu es comme tu voudrais, mais donc tu dois commencer par avoir un budget équilibré, par travailler dans tes finances. Permette à Dieu de te diriger, de te donner vérité, grâce et sagesse pour faire un budget et de le tenir. Pourquoi le pouvoir de l'argent est réel? Cory a dit la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'on doit donner? Parce que ça brise ce pouvoir-là. Tenez tout dans vos mains légèrement, autrement, ça fait mal quand Dieu vous force les doigts. Okay, vous n'avez pas l'air de comprendre, je vais vous donner une, une illustration. C'est quand tu vas au Us, puis ton enfant de 5 ans, il prend le jouet, puis tu te dis Lâche le jouet, Nyaa! puis il fait le bacon à terre. Est-ce que ça faisait déjà arriver? Ça sent, ça sent le vécu. Ce moment où tu veux le donner en adoption. Puis là, l'enfant est comme. Aaah! Et là, tu prends sa petite main, puis tu prends chacun de ses petits doigts, et tu les enlèves du petit jouet. Puis, il y a des gens, là, tu tiens tes finances comme ça, et si tu es un disciple de Jésus, je parle à des disciples de Jésus, là. Si tu es un disciple de Jésus, tu es enfant de Dieu, le Père va travailler, puis. Ça va faire mal quand il va desserrer tes mains autour de ma montre des finances. Parce que a une question de cœur, puis Dieu ne permet pas qu'il y ait quelque chose qui rivalise avec lui. Puis on ne le reconnaît pas, puis c'est insidieux. Donc, tu as besoin de donner. Vous savez, moi, je donne, là, quand, quand dans mon compte de banque, là, je donne, je paye mes comptes, puis je donne là. Puis j'ai deux, il y a deux voix dans mon cœur. Il y a la voix qui est comme oh, Amen. Puis il y a l'autre voix qui fait Aïe, aïe parce que je regarde là, le diable me rappelle tout ce que je pourrais faire avec l'argent que je donne. Je Hé, hey, si je calcule ça, je pourrais faire ça. Voyez-vous, mais quand, quand on donne, on donne, ouch, ouch, mais sais-tu qu'est-ce que tu fais? Tu attaques le Dieu de l'argent dans ta vie. Vous savez, on vient à l'église, et moi, la manière que je vois ça, c'est que dans la louange, on dit à Jésus, tu es mon Dieu, mais dans l'offrande, on dit à l'argent, tu n'es pas mon Dieu. Amen. Je continue. Presque terminé. Et là, le super texte, je ne le lirai pas, mais verset 10 à 11, Dieu dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses cieux. c'est-à-dire la bénédiction du ciel. » Puis il va dire « Je rabrouerai celui qui dévore. » Quand tu donnes, tu démontres ta confiance dans la provision et la protection financière de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est digne de confiance aussi pour nos finances ah, c'est drôle, il y a des chrétiens qui font confiance à Dieu pour leur vie éternelle, mais ne sont pas capables de lui faire confiance pour leur budget mensuel. Donc, quand tu donnes, tu déclares, je fais confiance à Dieu. Quand tu donnes, je vous disais tout à l'heure que quand je donne, hmm, des fois je dis aïe aïe, mais je réalise. Puis des fois, ce n'est pas juste à l'Église, hein? des fois, il y a des gens autour de nous, des gens dans le besoin, on est généreux. Quand on donne, souvent, on pourrait dire, je pourrais faire autre chose avec cet argent-là, mais ce n'est pas une perte. Êtes-vous d'accord que quand on donne quelque chose pour Jésus, ce n'est pas une perte Les proverbes nous disent, ce que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Réfléchissez à ça, vous allez voir, c'est bien ça. Donner démontre ta confiance dans la provision de Dieu, démontre aussi ta confiance, et ça on n'en parle pas beaucoup, dans la protection de Dieu. Dans le texte, son, Dieu dit, je rebrouillerais celui qui dévore. OK, dans le contexte, c'est qu'à un moment donné, dans un temps de sécheresse, les, les, les sauterelles faisaient leur, les, leurs œufs. Et à un moment donné, la pluie venait, la récolte grossissait, prospérait, et tout à coup, là, là, les gens, les chrétiens, ils voyaient son champ, et ils étaient waouh merci Seigneur, tu as pourvu! Et là, tout à coup, les sauterelles, il y avait une éclosion, puis les sauterelles ravageaient tout. Moi, j'ai compris que Dieu, souvent, on dit provision, provision, provision. Je loue Dieu du fait que non seulement il pourvoit mes besoins, mais il protège. Mais bien. Je vous donne un exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une augmentation imprévue, un retour d'impôt, un boni au travail? Puis là, tu es comme kumbaya. Tu reviens à la maison et là, ta voiture explose, ton frigo rend l'âme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu sais, tu arrives, tu as comme la bénédiction, puis là, tout à coup, les sauterelles viennent de dévorer. Et ça aussi, il y a quelque chose des fois de spirituel. Je ne dis pas que c'est le jugement de Dieu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que quelquefois, quand le Seigneur est responsable de tes finances, non seulement il pourvoit, mais il protège. Moi, je crois que j'ai des choses dans ma maison. Je crois que Dieu, des choses que je ne vois pas, que Dieu met sa main et préserve, prend soin de mes finances. Vous savez, souvent, on aime mieux le chèque de 1000 qui rentre, mais loue le Dieu qui fait en sorte qu'il n'y pas une brisure dans ta maison qui va te coûter 1000 Souvent, on ne le réalise pas. Donc, c'est vraiment important. Et les gens vont dire OK, mais moi, je crois que Dieu pourvoit, mais ça, j'ai de la misère. Là, puis, écoute-moi bien. Si tu tiens Dieu à l'extérieur de tes finances, pourquoi Dieu protégerait ce qui ne lui appartient pas Souvent, les chrétiens disent Seigneur, donne, 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 donne. Non, 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 c'est pas le même que ça marche. Là. Dieu ne négocie pas. Là. Je donne un exemple. C'est comme si moi, j'ai 100 000 à la banque. Bon, moi, je n'ai pas 100 000. Toi, tu 100 000 à peu près. OK. Mettons, je sors, Pasteur Max va à la banque et sort son 100 000 parce qu'il ne fait pas confiance à la banque. Il met le 100 000 sous son lit. Bravo, champion. Le voleur vient, vole le 100 000 Là, Pasteur Max en va voir le banquier et lui dit bien là, vous allez me rembourser parce que je me suis fait voler mon argent. Qu'est-ce que le banquier va dire? Il va dire L'argent n'était pas sous mon autorité. Puis il y a des chrétiens qui s'attendent que Dieu va défendre de l'argent que tu refuses de mettre sous son autorité. Puis là, je ne parle pas juste de donner comme une police d'assurance, ce n'est pas de ça, pas en tout, que je parle. Je parle juste d'avoir un budget à la gloire de Jésus, je parle juste de gérer nos, notre argent à la gloire de Dieu, puis de dire, Seigneur, es, oui, tu es Seigneur de mon cœur, mais tu es Seigneur aussi de mon portefeuille. Donc, il ne le fait pas en passant. Ne, et ça, c'est une autre affaire que je, que, que, que je dénonce quand les pasteurs vont dire... Donne, puis Dieu va te bénir. Ne donne pas pour avoir plus d'argent. Ce n'est pas de même que ça marche. Ce n'est pas une recette. Ce n'est pas une gamique. Ne donne pas pour l'argent. Donne pour avoir Dieu. Donne pour marcher avec Dieu. Donne comme un geste de confiance, pour une communion, une relation. Mais si tu le vois comme un calcul stratégique en disant hey, Moi, je vais donner ma dîme, puis Dieu va me la redonner, puis je paye ma police d'assurance, il y a un problème parce que, sais-tu quoi Dieu connaît ton cœur. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas voler Dieu, tu ne peux pas tromper Dieu dans ce sens-là. Et je termine avec ceci. Si vous êtes toujours là, dites Amen. Amen. Et voici comment le texte se termine de Malachie qui nous présente une théologie des finances personnelles. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit le Seigneur des armées. Je vais dire quelque chose qui n'est pas très populaire, encore une fois, dans notre culture et même dans, dans, dans plusieurs églises. Donner est un témoignage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas ça? Donnez un témoignage de contentement dans notre culture matérialiste. Notre culture, là, ça ne va pas bien. On est dans une culture où on nourrit la convoitise, où on veut consommer de plus en plus, où on est de plus en plus matérialiste, où on est de plus en plus endetté, puis on est dans une spirale chrétien-non-chrétien. Chrétien. Ce système-là n'est pas viable à long terme, de consommation, de consommation, de consommation. Et savez-vous le problème avec certains prédicateurs d'une soi-disant théologie de la prospérité? On dit, voici, donne, puis Dieu va te donner, va te donner, comme si Dieu va financer ton mode de vie matérialiste et charnel. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu va te donner un chèque, une provision surnaturelle, pour que tu t'achètes encore juste une plus grosse télévision? Est-ce que tu penses que Jésus est mort pour ça? Moi, j'ai eu. J'ai eu un accrochage à un moment donné avec un pasteur parce que j'ai entendu, euh, ce n'est pas quelqu'un de notre réseau, mais quelqu'un qui s'appelle pasteur qui dit Moi, j'ai une Rolex. Parce que Rex, tu es une Rolex, tu l'as payé tu as travaillé fort, sois béni, ce n'est pas de ça que je te parle. Il dit J'ai une Rolex, pas à cause que moi j'ai besoin d'avoir une Rolex, c'est que mes amis non-chrétiens, mes voisins ont besoin de voir que l'homme de Dieu a une Rolex. Parce que par la Rolex, ils voient la grandeur de leur Dieu. J'ai dit Non, tu es un faux prophète. Ce n'est pas la Bible, c'est pas Jésus n'a pas enseigné ça. Il dit d'avoir une BMW, c'est pas mal. J'ai connais... des amis qui ont des BMW. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand tu dis j'ai besoin d'avoir une BMW parce que les gens vont voir que mon Dieu est puissant. Là, tu es en train de spiritualiser ton péché. Tu es en train de faire des liens que Dieu ne fait pas. Donc, il y a des choses comme ça, puis des, des enseignements souvent qui circulent où on sert de Dieu pour s'enrichir. Dieu peut t'enrichir pour que tu le glorifies. Puis la réalité, une des choses que je vois avec des gens qui sont prospères, qui ont fait des critiques, c'est des gens très, très généreux. Mais souvent, on a renversé, puis on pense que Dieu va juste nous financer pour qu'on continue de s'endetter. On voit ça nulle part dans la Bible. Et la question que je me pose, c'est, Souvent on entend oui, mais on a besoin de voir des chrétiens prospères, puis on a besoin d'avoir des gens d'influence. On a besoin d'avoir des gens, oui. Mais savez-vous ce qu'on a surtout besoin? De voir des hommes et des femmes qui vivent dans le contentement. Dans le contentement. Amen. Hébreu nous dit Contentez-vous de vos biens actuels. On a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui se disent Seigneur, je pourrais avoir plus, plus, plus. C'est quand on a, on a des jeunes familles, on a une maison, puis on va upgrader nos meubles, Mais Ce notre... n'est pas de ça que je parle. La seule chose que je dis, c'est c'est quand que ça devient assez. C'est quand qu'on cesse de vouloir toujours plus, 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 plus de matériel. C'est quand, à un moment donné, que le matériel qu'on a, qu'on dit merci Seigneur, c'est assez, je suis content. C'est quand qu'assez, c'est assez. Est, et la Bible parle de ce concept du contentement, de contentement. Tu sais, à un moment donné, c'est comme on, va, on, on peut toujours avoir la dernière console, toujours avoir la plus grosse télé, toujours rénover une maison plus grosse maison. Toujours, mais à un moment donné, c'est correct, je pense qu'on vit dans la vie là, c'est qu'on augmente notre style de vie. Puis il faut que ça soit convenable. Pis moi, je veux, je veux que mes enfants mangent. Puis je veux pas juste qu'ils mangent du ballonné puis du beurre de pinot. Puis c'est correct. Mais je me pose moi-même la question, c'est quand que ça devient assez? Puis qu'on dit juste merci Seigneur de ce que j'ai. Puis je n'ai pas besoin de plus. Puis, puis ce que j'ai de plus en tant qu'intendant, je, je veux que ça soit utile, je veux bénir, je veux aider, je veux. Et ça me fait penser à cette histoire de... Et je termine avec ça. Ça fait deux, trois fois que je dis que je termine avec ça. Hein? Ça, c'est un truc de pasteur, hein? Je termine, je termine. Non, il ne termine pas. Ça prend quatre, je termine avant qu'il termine. Euh... Vous savez, dans les, il y a toutes sortes de reportages, puis il y a des articles, il y a des émissions qui ont été faites dans les aéroports où on, on regarde les gens. Puis dans, dans un aéroport, il y a un homme très très âgé avec ce qu'on pense être sa fille, puis c'est très émotif. L'homme semble très malade, très vieux, puis on se dit ok, c'est la dernière fois, elle la prend l'avion, puis ça, ils ne vont pas se revoir. Puis euh, le père dit :« Je te souhaite assez. » La fille a dit :« Papa, avec toi et maman, ma vie a été assez. » Elle est partie. Puis. Euh, Vu Monsieur sécher ses lampes, puis la personne qui a écrit l'article, était le voir, puis lui a dit Monsieur, je vous ai regardé, puis c'est votre fille, ouais, puis euh, ça semblait comme un long voyage, un long départ, il dit moi je suis très malade, puis c'est la dernière fois qu'on se voit, la prochaine fois qu'elle va venir, ça va être pour mon, mon, mes funérailles, tu sais. Puis euh, elle arrive, puis il dit mais pourquoi assez? Il dit parce que nous toute notre vie, c'est une, une chose que nos parents nous disaient, puis que nous on a dit à nos enfants. Je te souhaite assez. Dans un monde où il veut toujours plus, 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 puis je ne prêche pas contre l'ambition. Hein? C'est ça que ce n'est pas, pas, pas le sujet. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre petit, hein, on est né pour un petit pain. Ce n'est pas du tout mon message. Mais dans un monde où on dit qu'il faut toujours plus, 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 puis on coupe, on coupe, finalement, on n'est jamais libre, jamais satisfait. Il dit Nous, on se souhaite assez dans notre famille. Ça veut dire je te souhaite assez de soleil pour égayer tes journées. Mais je te souhaite aussi assez de pluie pour apprécier le soleil. Je te souhaite assez de bonheur pour être heureux. Mais je te souhaite aussi assez de douleur, juste assez, pas beaucoup, pour apprécier les petites joies de la vie. Je te souhaite assez de gains pour satisfaire à tes besoins. Je te souhaite aussi assez de pertes pour apprécier ce que tu possèdes. Vous savez, ça, c'est très biblique. Proverbe 29, l'homme de Dieu va dire Seigneur, Donne-moi assez de pain, afin que je ne vienne pas à voler. Mais donne-moi pas trop que j'en vienne à oublier ton nom. Puis moi, moi je m'interroge alors que je prêche ce message, je dis, Seigneur, quand est-ce que ça va être assez pour moi? Parce que des fois, c'est légitime notre style de vie, mais puis je me dis, OK, mais je regarde ma maison, mais je me dis ma maison est assez. Les trucs à faire est assez, est assez grosse. Ma voiture est, est assez en état de rouler. Ma télé est assez grosse. Mon sofa est assez confortable encore. Ma femme est encore assez belle. C'est une chose à retenir sur mon message sur l'argent, c'est assez. Fais cette prière, Seigneur, montre-moi dans les domaines de ma vie où c'est assez. Il y a des domaines où tu dois superer pour plus, plus, plus. Des fois, il faut que tu, tu laisses Dieu te dire, c'est assez. Assez. Assez de cartes de crédit. Assez de tourner en rond. Assez d'overtime, d'overtime, d'overtime pour payer des dettes, pour payer des affaires que tu n'as pas besoin, qui sont déjà périmées. Assez, assez, assez de laisser le diable contrôler tes finances. Assez de laisser tes finances empoisonner ta vie. Assez, assez, assez. Moi, c'est la grâce que je vous souhaite.